c'est à vous. Oui, donc comme vous le savez certainement, le niveau de l'éducation a fait beaucoup débat ces derniers temps. La preuve, on en reparlait encore ce week-end, notamment dans NCI 360, le magazine d'actualité animé par Ali Diarasouba le dimanche. Ils ont parlé de l'exercice de la dictée en particulier, qui, comme vous le savez, a été retiré du système éducatif. Et l'un des intervenants avait un avis très tranché sur la question. On regarde un extrait. Faire de la dictée simplement pour faire de la dictée comme Bernard Pivot faisait, ça n'a rien d'intelligent, ça n'a rien d'un apprentissage, ça n'a rien de cognitif. Ce n'est que de la répétition. Et donc, quand on regarde le vocabulaire employé, ça a l'air de l'avoir vraiment traumatisé. Mais pour de nombreuses personnes, dont je fais partie, l'exercice de la dictée, eh bien, c'est une aberration de l'avoir supprimé, tout simplement. Il y avait tellement d'avantages, hein, enrichir le vocabulaire avec des mots qu'on n'aurait jamais utilisés, peut-être comme « i de charognard », on ne sait pas. Chez des jeunes qui, surtout, lisent de moins en moins, s'interroger sur le sens et la façon d'écrire les mots, la conjugaison. Bref, l'exercice était complet. Le plus important dans la dictée, c'était aussi ce moment-là de correction, en fait, où on avait l'impression d'apprendre quelque chose et surtout l'envie de ne pas refaire la même erreur. Moi, je sais que j'y tenais, je regardais, voilà, c'était un grand moment. Alors, comme je suis un grand nostalgique, je vous ai préparé un petit quelque chose en souvenir du bon vieux temps. On vous a mis à tous une feuille de papier et un stylo. Je vais vous dicter deux phrases et on va se faire un petit point. Ensuite, on va tester vos... D'accord, avec un I2 charognard ou... Ça va être 60 I2. Alors, première phrase... Mes anges et moineaux s'ébattent sur ce perchoir. Attends. Mes anges et moineaux s'ébattent sur ce perchoir. C'est pas très rapide. On est bon, on y va. Hein. Mes anges et moineaux s'ébattent sur ce perchoir ocre avant la tombée des feuilles. Sur ce perchoir ocre avant la tombée des feuilles, qui s'amoncelleront, qui s'amoncelleront bientôt sur le sol mouillé. Mes anges et moineaux s'ébattent sur ce perchoir ocre avant la tombée des feuilles, qui s'amoncelleront bientôt sur le sol mouillé. Au jour le jour, apprécions la nature si belle en cette saison. Ça, c'est le premier bloc. Ah, on en a jusqu'à demain, alors. Oui, non, mais... Au jour le jour, après... Au jour le jour, apprécions la nature si belle en cette saison. OK. OK, on y va pour, pour la phrase... Enfin, c'est la troisième phrase, finalement, mais deuxième groupe. Pas ce que tu qui puisses lire après ça. Hein. Ah oui. Non, mais ça, c'est parce qu'on écrit tellement vite. Donc, si belle après cette saison, belle c'est ça ? En cette saison. En cette saison. OK. Ouais. OK. Phrase 2. On avait perçu... On avait perçu dans la nuit d'encre... Le lugubre et grand guignolesque. Et grand. On avait perçu dans la nuit d'encre le lugubre et grand guignolesque. Grand guignolesque. Mmh. Ululement de la chouette lapone. On avait perçu dans la nuit d'encre le lugubre et grand guignolesque. Ululement de la chouette lapone. La chouette. De la chouette, la pône. La pône. La pône. La pône. D'accord. OK. Tout le monde est au même niveau ? Ouais, ça va. Oui, ça va. Bon, je ne vais pas passer faire le maître. Fini ? Oui, on a fini. Ah, on peut corriger quand même ? On peut se relire ? Oui, vous avez le droit. Merci. Ah. C'est bon, c'est tout ? Oui, c'est okay. Bon, on est bon. C'est vraiment tout le monde est, on est sûr de ce qu'il a fait. Au jour le jour. Moi, c'est le grand guignolesque qui me fatigue. Hein, ça. Ah bah oui, il fallait que ce soit un peu compliqué, sinon c'était pas drôle.
Yes. Bon, on y va. Attendez. L'INSEE, elle est... mais c'est pas grave, hein, l'INSEE. Le lugubre, non, mais je veux grand guignolesque, ululement. Il y a quelque chose à remporter, ou pas? Non, non, mais même Juste important. Le fait de ne pas avoir honte à la télé. Ouais. Okay. Alors. Donc, il y a quelque chose à perdre. Il y a quelque chose à perdre, quand même. L'INSEE, c'est bon, on y va. Mmh. Alors, on va afficher la correction, donc, des phrases en... sur l'écran. Donc, pour la première phrase. Ah, mais non, Tout de suite, mes anges Zémoineau s'ébattent sur ce perchoir ocre avant la tombée des feuilles qui s'amoncelleront bientôt sur le sol mouillé. Première phrase de ce groupe, combien de fautes avez-vous fait et où? Une faute sur mes anges. Mes anges. Moi aussi, mes anges. J'ai écrit mes anges. Moi aussi. Je conteste ça. Pardon, pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas mes anges? Mes anges et pas mes anges. Oui, j'ai bien prononcé. Moi aussi, je proteste. Non, non, vous avez tous fait une faute. Alors, donc, deuxième bloc de phrase. Attends, non, non, moi, j'ai fait une faute sur mes anges. Et aussi sur Amoncelleron, j'ai mis deuxième et c'était... Et ocre. Il n'y a pas un accent, c'est complexe. Non, non, c'est aussi. Non, il n'y a pas d'accent. Okay. Et donc, la suite, au jour le jour, apprécions la nature. Ouais, non, ça, c'est bon. Alors, Samoncelleron, bientôt sur le sol mouillé, tout va bien pour tout le monde. Ouais. Au jour le jour, apprécions la nature si belle en cette saison. Vous avez mis la virgule ou pas? Au jour le jour, virgule. Au jour le jour. Non. Parce que je l'avais bien marqué. Hein, non, non. Le ton. Apprécions la nature si belle en cette saison. Donc deux, deux fautes pour tous les deux dans ce bloc de phrases et une pour vous. Ouais. Ok, donc deuxième, deuxième phrase. Ça dépend si le gars qui dicte si choquant. Ouais, j'ai été très bien. Au lieu de dire mes anges, je dirais mes anges. Non, ça va, franchement. Ok. Il n'y a rien à redire. Non, mais après, c'est vrai que Cheikh est très, très à cheval sur l'orthographe et il a raison. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il veut discuter par rapport au ton. Oui, parce que le Chocobi, c'est comme le gars qui faisait la qui dit la fête de la nouvelle Igname. Bon. Ça m'a traumatisé parce que bon, il était d'une ethnie, donc ça se comprenait. Mais bon. Alors, deuxième phrase. On avait perçu, dans la nuit d'encre, le lugubre et grand guignolesque ululement de la chouette Lapone. Est-ce qu'on peut avoir le texte? On va voir le texte. On avait perçu. Alors, comment vous vous en sortez sur celle-là? Alors, moi, je n'ai pas mis le tiret entre grand et guignolesque. Moi non plus. Moi non plus. J'ai dit. La chouette Lapone, c'est bon. On l'avait perçu dans la nuit d'encre. Là, tout va bien? Tout le monde? Oui, mais moi j'ai des... Ouais. À part les virgules, peut-être? Oui, moi, c'est les virgules. Le tiret entre grand et guignolesque. Moi, c'est virgule et tiret. Grand guignolesque et ululement. Ululement, j'ai mis un H. Voilà. J'ai mis un H. Ouais, voilà. Ululement, c'est le cri de la chouette. D'accord, chouette, ouais. Tu n'as pas mis de H, Cheikh. Comment? Tu n'as pas mis de H. En tout cas, j'ai toujours dit que prof de dictée, Cheikh. Non, c'est la fête de la nouvelle Igname. Donc, du coup, pour finir, est-ce que pour vous, la dictée, c'était une expérience traumatique? Est-ce qu'il aurait fallu la retirer? Je n'en sors pas traumatisé. Ouais. Okay, moi, je vais donner mon opinion un peu là-dessus. Moi, je suis de la vieille école qui a fait vraiment lycée scientifique, vraiment, en tout cas, vraiment la grammaire comme il faut. La dictée, j'ai bien aimé. Mais vous voyez, pour moi... Je suis un personnage qui est un peu tiraillé entre les sciences et les lettres. J'ai toujours été tiraillé. Mmh. C'est pourquoi, à mes temps perdus, je suis écrivain. Pour moi, la grammaire, c'est des règles. Les mathématiques, c'est des règles. Quand on te dit la surface d'un rectangle, c'est la largeur multipliée par la longueur, c'est une règle. Tu as bien compris la règle, tu l'appliques, tu calcules la surface d'un rectangle. Quand on te dit en français, deux verbes qui se suivent, le second se met à l'infinitif, c'est une règle. Mmh. Dans le fond, celui qui a la capacité de comprendre une règle et l'appliquer, il peut être bon autant dans les sciences que dans les lettres. Le but de la dictée, c'est de s'assurer que l'élève connaît les règles, les identifie et les applique. OK? Il sait, voilà. Et pour moi, si c'est la dictée qui permet de s'en assurer, faisons des dictées. S'il y a d'autres exercices qui permettent de s'en assurer, utilisons-les. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, quand tu as un papier à écrire, tu as une lettre à écrire pour ton patron en tant qu'assistante, tu ne fasses pas de faute. Oui. Parce que tu connais tes règles de grammaire. Absolument. On apprend de nouvelles choses comme ça. Donc je ne me suis pas prononcé pour ou contre la dictée, mais l'objectif, c'est de connaître ces règles de grammaire et d'écrire sans faute. Et puis surtout en ce moment, avec le développement des réseaux sociaux où on peut marquer des cas, texto, l'écriture texto. Et du coup, on prend plus soin des mots et le fait peut-être de lire et de. Et voilà, et de développer donc sa lecture ou même de faire attention à la grammaire et à la conjugaison, bah, ça nous force aussi à écrire correctement. D'accord. Pour le retour de la dictée, donc. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui accablent l'intervenant. Ça va peut-être vous surprendre. Je pense qu'il est cohérent dans son raisonnement. À la limite, la dictée, c'est une évaluation. On vous évalue sur la base de ce que vous avez appris en classe. Donc, de ce point de vue-là, il a raison. Là où c'est intéressant, par contre, la dictée, c'est qu'effectivement, ça pousse à un certain surpassement. On va chercher au-delà des cours.
Et donc, il y a un petit enjeu. Ah, tiens, moi, j'ai entendu ou j'ai lu ça dans un bouquin hier. Je sais que mon voisin, il n'a pas, donc je veux m'empêcher. Je sais que je veux la bonne note et tout. C'est un peu cela, tout l'enjeu. Mais sinon, dans la dictée, on retrouve de tout, que ce soit la grammaire, que ce soit l'orthographe, avec tous les pièges qui vont avec. On parlait tout à l'heure de règles. Il y a une règle qui dit le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Mais pas l'auxiliaire avoir. Très bien. Ça dépend de quel type de verbe. Donc, il y a une autre exception qui sort. On vous dit si c'est un verbe essentiellement pronominal, ça marche. Si c'est un verbe accidentellement pronominal, ça ne marche pas. Ça devient très compliqué après. Il y a beaucoup de nuances. Oui. C'est des règles. C'est les règles. C'est les règles. Et il faut les connaître, ces règles. Il faut les connaître. Merci Pierre pour cette petite dictée voilà, qui nous a permis de savoir qu'on n'aurait pas eu 10 sur 10 quoi, dans cette affaire. Peut-être 8. Peut-être 8, hein. Ou 6, je pense moi 6. 6, d'accord. À cause des virgules, tout ça. Moi j'avais le bon rôle dans tout ça. Ouais. Être, c'est toujours bien placé. C'est ça, grand guignolesque.